Dans cette vidéo, on apprend la gamme de Fa majeur sur deux octaves. Dorénavant, je vais vous jouer l'exercice en entier. Donc je vous le redonne. 60 à la noire, la pulsation. On joue trois rythmes différents, donc la gamme ascendante et descendante, ok, sur deux octaves, Fa majeur. On commence par des blanches, des noirs pointés et des noirs. Ce qui était coutumier de mes précédentes vidéos, je ne jouais, pour le propos de la vidéo, que les blanches et les noirs, et je vous invitais à travailler l'autre exercice, à insérer les noirs pointés au milieu. Parce que l'essentiel, c'était déjà de pas trop, comme c'est censé être pour les débutants, c'est quand même, faut pas trop non plus, dans un premier temps, se compliquer la tâche, mais après, c'est bien qu'on commence à travailler d'autres types de rythmes. Donc c'est pour ça que je vous les propose. Maintenant, je vous les montre directement. Je pense que si vous avez vu mes précédentes vidéos, si vous avez eu le courage de bosser les 12 tonalités sur une octave, avec les deux rythmes, et que vous êtes même lancé de votre côté à essayer de jouer ces fameuses noires pointées, et à faire tous les exercices en entier à chaque fois, les trois rythmes, je pense que vous devriez être suffisamment aguerri avec la pulsation à la noire et jouer des noires pointées dessus, pour maintenant que je vous montre l'exercice en entier. Voilà. Nouvelle fois, téléchargez le PDF, il y a tout dedans, les doigtés, le rythme qui est écrit, comme ça vous avez un petit rappel si vous avez envie de le bosser en dehors. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je vais vous montrer ? Par où on va passer? On va commencer exactement la même chose que la gamme sur une octave, donc Fa sur la corde de Mi, Fa, Sol, corde de La, La corde à vide, Si bémol, Do, Ré, corde à vide, Mi, Fa, Sol, corde à vide, c'est là qu'on change, ok, Sol, corde à vide, on continue, La, Si bémol, on démange Do, Ré, on démange le dernier, Mi, Fa, et ensuite on remonte pareil. Fa, Mi, on démange Ré, Do, on démange Si bémol, La, Sol, corde à vide, Fa, Mi, Ré, corde à vide, Do, Si bémol, La, corde à vide, Sol, Fa. On est bon. Bah pour ceux qui veulent le bosser avec moi, c'est le moment de sortir votre contrebasse, de l'accorder et de vous tenir prêt, télécharger le PDF. Pour les autres, je vous dis à bientôt, et puis partagez, likez, laissez-moi des commentaires, et puis à très bientôt. Allez, à tout de suite pour l'exercice. 1, 2, 3, 4. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Je voulais vous donner un dernier petit conseil pour ceux qui sont vraiment débutants, là, qui ont pour l'instant vu que des gammes sur une octave et qui, peut-être en ce moment, où se sont déjà lancés dans aller plus bas sur le manche et aller voir un peu ce qui se passe par là, etc. Je vous invite, quand vous travaillez la gamme là sur deux octaves,
à confronter les difficultés avec parcimonie. C'est-à-dire, n'y allez pas de suite franco. Essayez dans un premier temps de la jouer avec des blanches ou avec des noires. Ça peut être fatigant, les blanches, parce que ça demande, comme on demande, comme l'exercice demande de garder des... de jouer vraiment toute la valeur de la note. Donc si c'est une blanche, il faut que ça dure une blanche. Donc c'est long, c'est physique. C'est souvent plus physique de jouer des notes longues que de jouer des notes courtes. Les difficultés sont différentes, techniquement. Donc je vous invite à prendre votre temps. Vous savez normalement jouer sur une octave. Donc commencez éventuellement, si vous avez la difficulté de justesse, qui est souvent une difficulté qui vient rapidement, c'est des problèmes de justesse quand on démanche. Travailler, c'est démancher simplement. Et bien, au lieu de démarrer la gamme sur le premier octave où on commence déjà, démarrez-la ici avec le petit doigt, sur l'octave qu'on apprend, le nouvel octave, le deuxième. Et démarrez-la à partir d'ici et amusez-vous simplement à passer votre premier démanché. Et puis vous remontez. Ça ferait ça par exemple. Commencez déjà par là. Si vous voyez que vous êtes complètement faux ici, alors dans ce cas-là, travaillez de cette manière-là. Simplement, vous pouvez même démarrer juste du sol. L'objectif, c'est de travailler avec le plus de justesse possible, d'accord ? Donc quand je dis avec parcimonie, c'est à pas vouloir trop faire d'un coup. C'est un truc qu'on fait trop souvent quand on débute. On se dit « ouais, c'est bon », ou même des fois c'est « à peu près ». C'est juste, mais là, c'est pas trop. Quand on voit qu'on a des difficultés, on s'arrête, on fractionne. Donc, si vous arrivez à tout passer et que vous arrivez à corriger dans tout, dans la longueur, sur les deux octaves, super. Si vous voyez que c'est tout, vous avez toujours les mêmes genres d'erreurs qui se répètent quand vous démanchez, que vous êtes très souvent faux, travaillez simplement ce démanché. Partez d'un point de repère, de la tonique de la gamme, sur la deuxième octave, ou de la corde de sol, comme vous voulez, et jouez simplement que la partie de la gamme concernée, d'accord ? Vous amusez pas à partir de là-haut pour vous planter, ah mince, et je recommence, et oh, je me replante. Sinon, vous en avez pour la journée, ça va être vite très chiant, et c'est pas le but de ces exercices, ok ? Allez, une nouvelle fois, pensez à télécharger le PDF, abonnez-vous, likez, partagez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye !